La capitale thaïlandaise aime se faire appeler la Venise de l'Asie du Sud-Est. La cité des anges ne vole en effet pas son appellation de sérénissime locale. Impossible de ne pas remarquer l'impétueux fleuve Chao Phraya qui traverse Bangkok. Mais au premier abord, on ne remarque pas nécessairement les canaux, Klong en thaï, qui en dérivent. Bangkok, aujourd'hui le quartier de Thonburi, était un village situé sur la rive droite du fleuve Chao Phraya. Après la destruction par les Birmans de la capitale Ayutthaya en 1767, le général Thaksin, devenu roi, se replia en aval sur ce site et décida d'y fonder la nouvelle capitale. Les Klong sont donc à l'origine de Khun Thep Ma Nakhon, le vrai nom de Bangkok, et lorsque l'on se promène en longue queue sur leurs flots, on remonte quelque 250 ans en arrière, à la fondation de la ville. Les maisons thaïlandaises, sur terre ou au bord des Klong, sont presque toujours sur pilotis, à cause de la mousson, mais aussi de la chaleur, car la circulation de l'air sous les maisons les rafraîchit. Le nom de Bangkok n'a plus été utilisé par les Thaïlandais depuis la fondation de cette capitale. Certains habitants des provinces les plus reculées du pays n'ont même jamais entendu parler de ce nom. Pour des raisons inconnues, ce changement n'a semble-t-il jamais été perçu par les étrangers, qui persistent à considérer à tort que le nom officiel est Bangkok.